Alors, bon matin, 21e soin reset pour la planète et en même temps, bien, on arrive à l'apogée de notre processus de 21 jours. Bonjour à tous, avec beaucoup d'excitation, d'énervement, les cellules de mon cœur vibrent, de tout mon corps. Je suis très, très heureuse d'être présente avec vous aujourd'hui, d'avoir créé ce processus-là et merci à tous d'être présents. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Jacques Nadon, Lani Lani Côté. Côté, Tambour Unité, Tambour Unisson, on a activé un processus de 21 jours de soins reset pour la planète. Aujourd'hui, on est à l'apogée de notre cycle où on va s'interconnecter tout le monde ensemble pour amener la Terre à un autre niveau vibratoire, l'aider à se propulser à une autre étape. Alors, c'est un grand rassemblement. On est habitué, nous, de faire des grands rassemblements une fois ou deux par année. Là, cette année, on sentait l'appel très fort de connecter cette énergie-là en étant confiné tout le monde un petit peu partout. Habituellement, on a des invités spéciaux, mais là, on a décidé d'être sage et de ne pas contrevenir aux règles mises en place par l'ensemble et de vivre l'expérience de le faire ensemble à deux avec vous. Ouais, on prend le temps, je prends le temps, en ce moment je suis sur mon téléphone, pas pour être impoli, tu peux l'approcher un petit peu pour voir les commentaires. Je prends le temps de partager pour être sûr de pouvoir en fait toucher le plus de monde possible pour se rassembler ensemble. Ouais, comme ça c'est bon. Alors, c'est ça, je veux partager en fait dans l'événement, juste prendre le temps, je vais te Oui, laisser continuer parfait. mon Fait que, chéri. en attendant, bien, vous pouvez nous signifier votre présence. On va attendre une dizaine de minutes environ que les gens arrivent. Bonjour Alors, vous pouvez nous faire des Lucille. petits cœurs, nous signifier votre présence, bienvenue de où vous êtes, de où vous venez. Alors, vous pouvez partager l'événement, vous pouvez activer un visionnement dans votre réseau. Oh, quelqu'un vient nous envoyer la La Terre en cœur planète. qui tourne, qui Merci. Allô, circule. Bradfield, notre belle amie. Yes. Alors, Claudia. merci d'être avec nous, de vous connecter de cœur avec nous pour cette journée importante qui est la journée de la Terre. Alors, je vais juste expliquer le concept des soins parce qu'aujourd'hui, on va le faire. Ça fait 21 jours qu'on fait des soins. Le soin, ça va fonctionner de la même manière aujourd'hui, mais de façon, chaque étape un peu plus profondément. On va aller plus profondément dans chaque étape. Donc, premièrement, première étape, on libère l'énergie du passé. On remercie l'énergie du passé. On a pris 21 situations là jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va y aller de façon plus large. Je vais l'expliquer tantôt. Et on libère l'énergie du passé. Au cœur du soin, on vient ancrer une nouvelle semence d'énergie au niveau de notre cœur, au niveau du lien qui nous relie à cet élément-là pour l'amener dans la nouvelle énergie, dans la nouvelle terre. Et la troisième étape du soin, c'est l'expansion de la vision et la libération de la vision. Alors aujourd'hui, on va l'amener à un autre niveau encore plus intense. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, il y a beaucoup de gens qui ont vécu tout un processus depuis 21 jours. D'ailleurs, j'aimerais ça faire une petite parenthèse. On attend encore que les gens arrivent. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Des gens qui nous suivent depuis le début, on aimerait savoir, vu que on aimerait ça savoir un peu qui nous suit depuis le début. Donc, ceux qui nous suivent, je vous invite à mettre un commentaire, mais sans rien écrire, juste en commentaire, mettez 4 cœurs. Après ça, nous, on ira voir pour voir c'est qui a vécu le processus. Mais comme commentaire, rien nécessairement écrire pour l'instant. Juste mettre 4 cœurs comme commentaire. Pas juste mettre 4 cœurs comme ça qui s'élèvent, là, mais en commentaire, mettez-nous 4 cœurs. Ça va nous permettre de voir qui nous a suivis depuis le début du processus, parce que ça a été toute une transformation pour nous, en premier lieu, puis pour ceux qui nous ont suivis, là. Il y a de l'énervement, il y a de l'excitement. Je vois les commentaires, Mélodie, Joanne. On prend le temps. Bonjour France d'être là. Je prends le temps je vois mieux ici, là. Maggie, Lucille, Diane, mon Dieu. Il y a plein d'amour. C'est tellement puissant de pouvoir se rassembler tous ensemble. Tu sais, aujourd'hui, on est tous ensemble pour la fête de la Terre. On a fait un processus de 21 jours, mais pour tous ceux qui sont là aujourd'hui pour la première fois, merci d'être là. C'est un soin reset pour la planète. C'est exactement notre objectif aujourd'hui. C'est ce qu'on veut faire. On va pouvoir vous expliquer tout le processus de ce qu'on va faire comme ensemble. Juste ici en avant nous, on a l'autel, en fait, avec tous les éléments qu'on a Je vais rajoutés. reculer. Ouais, tu peux le reculer. Ouais, c'est bon.
Diane, Valérie, merci d'être là. Martine, Richard, je sais que plusieurs d'entre vous, comme moi, en fait, ont vécu tout un processus. Je suis à être vraiment reconnaissante, en fait, de m'avoir engagée envers vous, mais envers moi-même aussi d'abord, pour créer un changement. Donc, c'est ce que je peux expérimenter dans chacune des cellules de mon corps aujourd'hui, d'être en pouvoir, en fait, de créer ma vie aussi. Donc, on va attendre encore quelques minutes avant que d'autres personnes rejoignent. Alors, le concept était qu'on était en ligne à 11h à tous les jours, mais ça commence à 11h11. Fait qu'on a 10 minutes, on laisse les gens le temps d'arriver. Pendant ce temps-là, je vais expliquer deux, trois petites affaires qui s'en viennent pour nous dans les prochains temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, qui nous demandent, ça fait 21 jours qu'on nous suit, on va s'ennuyer. Nous autres aussi, on a comme pris un flot de dire « wow, on aime ça, d'être en contact et tout ça ouais. ». Certain que pour nous, c'est tout un processus de 21 jours à vivre. On va avoir besoin d'une petite pause pour nous de quelques jours, mais on veut revenir avec un nouveau projet qu'on aimerait vous présenter. Ça sera, on va vous présenter une capsule vidéo en live, en direct, une fois par semaine, à tous les mercredis à 11h11. C'est les enseignements de sagesse du tambour. Donc, c'est un projet qui m'habite depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, où j'ai envie de transmettre l'essence de mon bagage lié au tambour. Ce que le tambour m'a enseigné depuis une douzaine d'années, j'ai le goût de le transmettre comme ça. Alors, ça va être par l'entremise d'un live par semaine que je vais transmettre quand même beaucoup de notions. On va toucher, j'en ai au moins pour 8 semaines de sujets de live à partager avec vous à chaque semaine. Fait que c'est une bonne nouvelle. On continue à garder un contact, on continue à nourrir cette belle agrégore-là de la tribu qui se rassemble. Ouais. Alors ça, c'était pour l'annonce. Une petite parenthèse avant les autres événements aussi. Vous pouvez nous dire aussi de où vous venez. C'est beau de voir dans les commentaires. Fait que je prends le temps de regarder en même temps. Alors, continue, mon amour. Alors, bien, juste en attendant que les gens arrivent, il y a ça, les perles, les enseignements de sagesse du tambour qui vont être là une fois par semaine. Ou ce qui est par rapport à, aussi, bien, on a reçu l'appel dans les dernières heures de mettre en place un événement. On va appeler ça un grand rassemblement ou bon, enfin. Ça va être la prochaine occasion de nous rencontrer en personne, en tout cas pour ceux qui viennent venir nous voir. Ça va être ici au Centre Tambour Unité à Sainte-Adèle le 20 juin pour le solstice d'été. Alors, le samedi 20 juin, vous pouvez mettre un X dans votre calendrier pour ceux qui veulent venir. On va faire ça ici au Centre Tambour Unité à Sainte-Adèle. On ne sait pas qu'est-ce que ça va prendre, quelle tournure ça va prendre, si le déconfinement va être activé aussi, puis si on va avoir... On va y aller dans l'énergie du flow, mais on va créer ensemble que ça va pouvoir se faire le 20 juin ici au Québec. Pouvoir vous prendre dans mes bras, vous faire des câlins, on a besoin de ça, nous manque. Donc, 21 juin, solstice. Alors, on va commencer dans quelques minutes. Une dernière fois, je l'ai demandé au début du live, mais il y a peut-être des gens qui se sont rajoutés. On aimerait voir qui nous a suivis depuis le début, qui a vécu le processus, même si vous en avez manqué 2-3, c'est pas grave. Mais si vous sentez que vous avez vécu le processus avec nous, on aimerait le savoir en commentaire. Mettez 4 cœurs ou 4 emojis qui se suivent seulement. Ça va nous dire, elle nous a suivis ou lui nous a suivis pendant ces 21 jours-là. Puis, pour les nouveaux, bienvenue. Ouais. Vous allez tout rattraper en une seule journée aujourd'hui parce qu'on va faire une synthèse de l'ensemble du processus aussi. Oui, on va faire une synthèse, mais si ça va être aussi possible. Là, j'ai rentré en fait sur notre chaîne YouTube tout le processus des vidéos. Donc, on l'a ancré dans la matrice. C'est dans l'Internet pour toujours. Alors, les 21 soins sont là. Il en manque quelques-uns que je vais rajouter après ce live. Alors, juste avant de commencer, est-ce qu'on voit bien le... Oui, on voit quand même bien l'hôtel. Oui, juste pour vous partager, ça va durer, je pense, environ 1 heure aujourd'hui. Là, habituellement, nos rassemblements durent 2 à 3 heures, nos grands rassemblements. Aujourd'hui, on va se donner 1 heure ensemble. Puis je vous invite à le vivre parce que de toute façon, c'est juste dans la deuxième moitié de cette heure-là qu'on va vraiment venir ancrer l'énergie de ce rassemblement-là, de ce soin reset. On va se présenter aussi. Ouais, on se représente pour ceux qui ne nous connaissent pas. Jacques Nadon.
L'année côté. Tambour unité, tambour unisson. Tambour unisson. Moi, je suis une petite fille du Nord, native de l'Abitibi. Petite parenthèse, en fait, j'ai mis ma robe du caribou qui est inspirée, en fait, des peuples du Nord. Donc, clin d'œil à Émilie Violette aussi qui l'a créée. Je l'aime. Alors, aujourd'hui, le soin qu'on va vouloir appliquer, je vais vous en reparler un peu plus loin, mais juste pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un soin reset au point zéro. Ouais. On a fait 21 soins reset depuis le début, c'est notre 21e. Là, c'est beaucoup. On y allait avec un élément à la fois. Aujourd'hui, on va y aller avec un ensemble d'éléments où chacun d'entre vous, on va mettre chacun les éléments qu'on veut intégrer, qu'on veut libérer. Toutes les, en fait, les anciens programmes à libérer, on va les libérer. Mmh. On va être, je ne sais pas combien de centaines de personnes sur le live, là. Il y aura un moment dans le soin au début où chacun va libérer tous les programmes qui sont plus nécessaires pour soi et pour l'humanité. Puis ensuite, le cœur du soin, on va venir ancrer l'énergie du point zéro. On va resetter à partir du point zéro cette nouvelle humanité, notre nouvelle humanité, puis on va réactiver ensuite à la fin du soin, amplifier et retransmettre à tous nos frères et sœurs de la Terre cet éveil au point zéro à partir de notre cœur. On discutait par rapport à ça tantôt, puis la meilleure image qui est à comprendre, en fait, ce processus-là, je pense qu'on vit, c'est comme un ordinateur, en fait. Hein? Mm-hmm. C'est en fait, ils disent que pour bien garder, bien entretenir nos ordinateurs, de temps en temps, il faut les fermer puis les réouvrir. Sinon, ça crée des bugs. Donc, je pense qu'en ce moment, dans le confinement, c'est un peu ce qui se passe aussi. Il y a un mode arrêt qui s'est passé. Donc, pourquoi pas prendre cette occasion-là pour faire un reset aussi à l'intérieur de nous, donc à l'extérieur de nous aussi. Alors, c'est ça, c'est un reset pour pouvoir nettoyer, enlever, on dit merci, mais tous ces anciens programmes-là qui ne sont plus nécessairement nécessaires maintenant. Et après, en conscience, de pouvoir intégrer, créer exactement ce que l'on veut. On va repartir l'ordinateur à zéro avec tous les programmes qu'on n'a plus besoin dans le passé. On libère ça, on réactive notre ordinateur au point zéro, puis on remet des nouveaux programmes dans la dernière partie du soin. On réactive les programmes qu'on veut. On remet des nouveaux programmes pour relancer le système. Relancer tout ça, tout ça avec l'élan de votre pouvoir créateur, en fait, de votre vie. Ouais. Pour tous ceux qui sont là, j'ai eu des questions aussi, même si vous n'avez pas de tambour, juste votre intention, juste votre présence, votre regard fait une différence. Quand on parle en fait de ce soin-là, c'est un saut quantique. Donc, quand il y a plusieurs personnes à la fois qui mettent une intention, peu importe le temps, peu importe quand vous voyez la vidéo, peu importe vous êtes où, il y a une reliance qui est là. Il y a une connexion qui est là. Pour nous, en fait... L'objectif, en tout cas, moi, dans mon âme, c'est de créer l'unité. Par nos tambours, c'est ça aussi nos grandes valeurs, c'est de pouvoir créer cette unité-là à l'intérieur de nous, mais en conscience aussi avec le grand tout, avec la Terre que l'on aime et chaque être humain. Alors, j'y vais avec la synthèse. Alors oui, juste répéter, ça va durer une heure en tout environ. Il y aura une partie où on veut vous transmettre une vision. On ne pas bien non plus, on ne parle pas assez fort. Okay. Ceux qui n'entendent pas bien, montez le son parce qu'on a connecté un micro ici. Le son est plus défini, mais il faut monter le son de votre téléphone à ce moment-là pour entendre mieux. Ouais, okay? On va essayer de parler plus fort. Dites-nous si vous entendez mieux une fois que le son est monté. Là. C'est possible de monter le son, oui. Ouais. Puis, mon téléphone, non, en tout cas, vous nous direz si c'est mieux là, en ce moment. Sinon, ben, je peux aller déconnecter. Je vais déconnecter le micro pour l'instant. Bon. Ah ouais? Donc, je vais le reconnecter juste quand on va jouer. OK. Le son est peut-être mieux comme ça. Alors, est-ce que vous entendez bien comme ça? Bon. Ça va mieux? Alors, je disais, la première partie du rassemblement, on va vous donner quelques notions. On va vous amener, on veut s'amener tous dans une vision unifiée de co-création, tout le monde ensemble, à partir de notre essence véritable, à partir de notre soi supérieur. Et puis après ça, ben, la deuxième partie, on va activer le soin, tout le monde ensemble. Parfait. Alors, confirmez-moi s'il y en a qui, maintenant, qui entendent bien. Là, il y en a qui me disent qu'ils entendent bien. Oui, c'est très bien. OK, parfait.
Alors, c'était tout un processus. En fait, j'invite tous ceux qui l'ont vécu aussi ou qu'est-ce qu'ils vivent même dans le processus du confinement, même si c'est en dehors des 21 soins, des 20 soins qu'on a faits. Quel est votre processus? Qu'est-ce que vous avez vécu en fait pour jusqu'à maintenant, qui est le jour de la Terre, puis je crois qu'il est un moment culminant dans l'énergie? On est dans une nouvelle lune aussi, Oui. donc c'est un espace de vacuité qui est vraiment bénéfique pour créer, pour manifester par nos visions, par notre pouvoir créateur d'expansion. On ne pouvait pas choisir une meilleure date, un meilleur jour pour pouvoir le faire, puis être avec les meilleures personnes aussi pour le faire. Alors, dans ce processus-là, partagez-moi en fait où est-ce que j'en suis. On a pris un élément en conscience à tous les jours pour faire un reset et mettre une intention. Okay? Ce que vous voyez en avant ici, c'est des éléments qui représentent certains Donc, thèmes. à chaque jour, on ajoutait un élément sur notre autel en s'amusant. C'est pour ça que vous voyez un toutou, Je vais des juste petits les chocolats. nommer, je vais quand même faire juste les nommer vite fait pour survoler un peu les intentions qui ont été là, le processus auquel vous joignez aujourd'hui avec nous. Donc, il y a eu le premier soin qui était l'élément de la terre. On a fait l'élément de l'eau, l'élément du feu. On a fait après le chakra qui était comme les chakras à l'intérieur de nous au niveau de l'air, le cœur, qui était la plume d'aigle qu'on a. On a ensuite fait le verbe, qui est la parole, qui est la gorge, donc le bâton de parole. On a fait ensuite la conscience, qui se trouve à être le Bouddha. Le soin 7, qui était la connexion au Créateur, qui est la croix. On a ensuite fait les animaux, qui se trouvent à être le toutou, l'orignal, les animaux qu'on adore. Ensuite, le soin 9, qui a été le féminin. Par ma fleur de lotus dans la capacité à recevoir. On a ensuite fait la libération de la vérité par rapport à la tablette, tout ce qu'on peut voir sur les écrans. Donc, on libère la vérité. L'information. Ça a passé beaucoup dans ces temps-là, ça a commencé à sortir les vérités sur le web aussi. Ensuite, on a fait le masculin aussi avec un bâton de pouvoir. Il y a eu les minéraux. Qui est en fait L'éclair l'arbre de ici, pierre de Valérie, de ici, qui Valérie. sent. On a ensuite eu la vision, pour avoir une nouvelle vision, les lunettes. Donc, tout ça en conscience, en éléments, en chaque soin qu'on a fait. Il y a eu les arbres, nos grands maîtres, par le chaga, qui est un champignon qui guérit le corps, qui est merveilleux. Ensuite, le soin 15, qui était au niveau de la richesse, donc le manuscrit ici, qui. On présente la connaissance, notre connaissance intérieure et tout le potentiel. Oui, les valeurs, redéfinir nos valeurs, c'était le logo aussi, les valeurs de l'entreprise, les valeurs personnelles, les valeurs de la famille. Donc, on a ensuite aussi fait les relations, qui se trouvent être le magnifique loup, l'attribut. Soin 18, qui était la conscience, la santé consciente, au niveau du livre ici. La liberté, le 19, c'était très puissant. Donc, la liberté, on n'avait aucun objet, c'était simplement libre à vous de mettre la liberté de mettre ce que vous voulez. Soin 20, il y a eu ensuite hier, c'était l'amour. Et aujourd'hui, le soin 21, ben, c'est la Terre qui est là avec Ouais. nous. Elle est là depuis le début du processus. Et là, ben, aujourd'hui, on va se concentrer tout le monde sur la réactivation de la nouvelle énergie au point zéro avec un nouveau programme qu'on va co-créer ensemble. Alors, dans tout ce processus, juste pour mettre un peu plus la table, juste pour vous livrer un peu ma vibration en ce moment, où est-ce que j'en suis, puis que je crois que chaque changement qui s'opère en chacun de nous crée un éveil de la conscience. En étant conscient qu'on est créateur, il n'y a aucun doute que l'extérieur, l'univers, va répondre forcément à ce que l'on veut. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'était aussi un objet vraiment de créé par l'être humain, plusieurs choses qu'on peut voir. Donc, le pouvoir créateur peut se manifester dans la matière de base, être conscient de ça. Donc, l'objectif de la conscience, c'est la transformation. Tu sais, en ce moment, on fête la Terre. Pourquoi? Pour élever les consciences, pour être tous ensemble, puis
Donc, on veut transformer, on a un goût de créer un monde qui est à notre image, un monde qui est en fonction de tout ce qu'on a travaillé dans les derniers soins, mais tout ce qui est là. Puis pour faire une transformation, en fait, ça commence, je crois, par l'accueil, accueillir. Quand on veut créer une transformation, en premier, on accueille, on écoute notre monde intérieur. Écouter le monde intérieur et avoir un discernement du monde extérieur. Nous faire confiance à cette intuition-là qui est à l'intérieur de nous. Ensuite, pour cette transformation-là, il y a le lâcher prise, qui n'est pas facile nécessairement, mais tout ça, c'est un processus. Être humain, c'est une expérience. Donc, tu sais, être dans l'accueil, dans un lâcher prise, être dans l'amour pour soi. Ensuite de ça, je dirais aussi, moi, c'est vraiment la synthèse de tout ce processus-là que je vous exprime en ce moment. Élever sa vision au-delà de sa personnalité, au-delà de l'ego, donc être plus dans une vision d'amour et une vision globale de ce qui se passe. Vision de l'aigle, hein? Pour ceux qui connaissent. Nourrir nos actions aussi à partir de nos valeurs. Au bout de tout ça, en fait, développer l'amour en soi et autour de soi. Donc, un message simple du cœur, juste pour remettre encore plus le pouvoir en vos mains. Vous êtes les créateurs. En ce moment, le soin qu'on va créer, lui, c'est pour la planète, là. C'est pas, c'est puissant, là. C'est sérieux, là. Il y a quelque chose de sérieux qui se passe quand on le transforme à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui se transforme à l'extérieur aussi. Donc, tout ça pour l'amour de la Terre. On l'aime. Tu la Terre? Elle est loue. Elle est là, omniprésente, partout ce qu'on fait. Elle est à l'intérieur de nous. On l'aime. Je suis très excitée, très heureuse de pouvoir créer ce moment-là. Merci d'être là pour la Terre. Partout en nous et autour de nous, la Terre est là. Et c'est aujourd'hui, il nous est offert, je pense, dans cette période. Pas de son. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas de son. Vous entendez bien, tout le monde? Faites-nous des pouces si vous entendez bien. Je joue pas trop avec ça. C'est bon. J'aimerais savoir des pouces si vous nous entendez bien. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'entendait pas. OK. Merci. Alors, par rapport au processus, oui, il y a des pouces qui arrivent. Okay, des bon. Pouces. Alors, écoutez. Qu'est-ce qu'on va créer? Ce qu'on va créer ensemble aujourd'hui, c'est une nouvelle reprogrammation qui va émaner d'une préparation qu'on va faire ensemble pour se connecter à notre essence véritable, pour se connecter à notre soleil source. Et c'est à partir de ce soleil source qu'on va pouvoir ancrer cette nouvelle programmation et resetter et repartir au point zéro. Parfait, beaucoup de monde, on entend bien. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Yeah. Êtes-vous prêts à vivre ce processus puissant là, de créateur ensemble? Oui. OK, je vous explique. C'est que ceux qui sont là avec nous depuis le début, on a vécu 20 soins ensemble. Aujourd'hui, c'est le 21e. Aujourd'hui, on l'aborde plus comme une forme de rituel, une cérémonie sacrée en l'honneur de la Terre, en l'honneur de cette nouvelle Terre qu'on veut tous co-créer ensemble. Donc, ça va être plus de façon cérémoniale et on va emmener un peu d'enseignement lié à se connecter plus en profondeur et plus profondément, intimement avec la Terre-Mère. Mais pour moi, ça passe avec l'harmonisation des directions et des cycles des saisons. Alors, c'est pour ça que je veux prendre un petit moment pour vous partager ma vision par rapport à ça, par rapport à notre capacité de s'harmoniser avec le cycle de la nature, qui est avec le cycle de la mer. Peut-être que certains d'entre vous connaissaient déjà ces connaissances-là, mais je sais qu'il y a des nouveaux porteurs et porteuses de tambours qui sont appelés à connaître cet enseignement-là. Juste une parenthèse, on parlera pas tout le long, on amène des notions. Par la suite, on va faire vibrer le tambour maître, on va faire vibrer nos tambours, donc... C'est ça, on va aussi passer à l'action. On va vraiment activer un processus puissant au tambour, mais ça va être encore plus puissant si on prend le temps de se l'expliquer puis d'avoir la compréhension de ce programme-là qu'on veut activer. Alors, l'harmonisation des quatre directions, pourquoi que c'est si important en lien avec le tambour? Le tambour est ici selon les quatre grandes directions et les quatre saisons de l'année. En fait, ici, on voit l'ensemble du système de la création qui est là, le cycle de la nature réuni dans le tissage du tambour.
Alors aujourd'hui, je vais prendre un petit moment pour vous faire un survol des quatre grandes saisons parce que c'est important en tant qu'individu conscient de cette nouvelle Terre qu'on prenne le temps de s'harmoniser avec ces quatre étapes de cycle de saison-là. Si notre Terre et nos frères et sœurs de la Terre, on est arrivé au point de rupture où on est en ce moment, c'est parce que la plupart des gens, et c'est comme ça que ça nous est enseigné dans notre société, nous ne sommes pas en harmonie avec ce cycle de la nature et le cycle des saisons. Pour moi, les saisons, la nature, les arbres, les animaux, ce sont mes enseignants. Et de se connecter, d'être encore plus en harmonie avec la Terre, pour moi, c'est inévitable que ça passe par l'harmonisation des saisons. Alors, je commence. À l'Est, on a le printemps, qui est le début, qui est les nouveaux départs. Toutes les quatre directions représentent une multitude d'archétypes que je vais juste pouvoir survoler aujourd'hui parce que l'enseignement de ces quatre grandes roues de vie, ces quatre grandes étapes de la roue de vie, est un enseignement d'une vie. Alors ici, juste synthétiser, on a tout ce qui est nouveau départ, notre naissance en tant qu'être humain, le lever du soleil, tout ce qui est impulsion de départ, de renaissance, processus de renaissance, et c'est le printemps, donc c'est le bourgeon qui émerge. Le gardien de l'Est, pour moi, c'est l'aigle, qui est mon gardien de l'Est. C'est aussi la polarité de l'énergie masculine. Après ça, au Sud, ben, c'est l'été. C'est l'été, c'est donc le midi du jour, c'est l'enfance, l'adolescence, c'est la joie, c'est la puissance, c'est l'énergie, c'est le feu. Donc, c'est là qu'on a beaucoup d'énergie en enfance. Et c'est donc relié pour le totem, pour moi, le gardien du sud, c'est le coyote. Puis je vous les nomme parce que tantôt, on va les appeler. Au début de la cérémonie, on va activer nos quatre directions. C'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer aussi. C'est comme ça qu'on active le processus du soin aujourd'hui, par les directions. Donc, le coyote au sud. L'ouest, le gardien de l'ouest, c'est l'ours. C'est la maman ours. Ici, c'est le papa aigle et la maman ours à l'ouest. Ben, c'est l'automne, c'est la finalité, c'est la récolte, c'est la sécurité, c'est l'adulte aussi dans notre processus de vie et c'est le coucher du soleil. Et au nord, ben, on a notre gardien du nord qui est Bison Blanc, qui sont les aînés, les anciens, qui représentent l'hiver, qui représentent la nuit, qui représentent la vacuité, le vide, mais là où tout est possible de co-créer ensemble. Puis en ce moment, ben, dans notre société, avec ce qu'on est en train de vivre, on a été forcé d'arrêter. On a été forcé de se placer au nord. Donc, dans un vide complet, dans une vacuité complète. Et c'est un espace béni. Parce que c'est quand on s'arrête puis qu'on se place au nord, on a la capacité de recevoir. Parce que l'univers ne laisse aucun vide. Donc, quand on se place puis on accueille cet espace de vide sans vouloir le remplir par n'importe quoi, par d'anciens programmes qu'on va répéter, on laisse l'espace au nouveau programme, celui de notre essence véritable, à rentrer par le nord. Et ensuite, inévitablement, c'est la roue qui nous l'enseigne. Après le nord, c'est inévitable, peu importe le temps, c'est la renaissance à l'est. C'est le nouveau départ qui recommence et la roue repart, mais avec un nouveau programme. Puis c'est ce qu'on vit à travers le processus qu'on est en train de vivre aujourd'hui par rapport aux 21 jours qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on veut vivre aujourd'hui aussi. On va vraiment réactiver cette roue d'énergie-là qui représente le cycle de la Terre, le cycle annuel. La roue de la vie. À travers ces quatre directions-là, il y a beaucoup d'enseignements. Nous, dans notre société, il nous est beaucoup enseigné de rester dans le sud, de rester dans nos blessures, de rester dans l'énergie du passé, de rester dans l'action continuelle. Notre cycle naturel et le cycle de la Terre ne nous enseigne pas de rester toujours dans l'action et dans la productivité. Il y a un moment pour commencer des projets, il y a un moment pour se lever le matin, déjeuner. Il y a un moment pour être dans l'action au cœur de la journée, mais à la fin de la journée ou à la fin d'un cycle, il est important d'accueillir la finalité, de savoir s'arrêter avant que la vie nous arrête. Et comme société, on n'a pas été capable, je pense, de s'arrêter avant que la vie nous arrête. Et c'est ça qui est arrivé. On est au nord, là, parce que la vie nous arrête. Communion d'âme, Corinne, elle nous partage. Grâce à cet arrêt, il y a une communion d'âme qui s'est amplifiée. Ah, c'est un cadeau qu'on vit en ce moment. Mais ce cadeau-là, qui est un cadeau forcé, dans ce nouveau monde qu'on veut co-créer ensemble, j'aspire de tout mon cœur à ce qu'on soit capable de le recréer, ce moment-là, et de le maintenir à son temps.
Ne pas attendre la prochaine fois que la vie nous arrête, mais de savoir s'arrêter soi-même, individuellement, savoir s'arrêter en tant que société et pouvoir vivre ces quatre grandes étapes-là en harmonie profonde avec la Terre-Mère. Donc, c'est le cadeau, en fait, qu'on aimerait mettre en intention. C'est pour ça d'amener ça en conscience comme enseignement, d'être comment arriver, en fait, on l'aime la Terre, puis quel cadeau qu'on peut y faire, bien, c'est un beau cadeau de prendre le temps d'écouter son cycle et notre cycle, et de s'harmoniser à elle plutôt que d'imposer. Et puis, ces quatre directions-là, ben, ils nous représentent. Hein? Tout est un. C'est notre vision, c'est ce qu'on essaie aussi de transmettre à travers notre expérience de 21 jours. Ben, tout est un. Et la roue de vie est un avec nous aussi. Puis, cette configuration-là des quatre directions représente notre système énergétique. Alors, on a tous notre nord magnétique énergétique qui est en avant de nous. Notre est à droite, notre sud en arrière de nous, puis notre ouest à gauche. Alors, dans notre société, ben, on entend souvent l'expression « j'ai perdu le nord ». Ben, il est bien possible que ton nord, là, il soit pas au nord, qu'il soit désaligné ou que même les pôles soient inversés. Et là, ça va avoir des propriétés importantes dans ta vie. Exemple, bon, si j'y vais des deux pôles, parce que là, l'est est notre règle. Moi, c'est mon... Tu sais, comment activer notre... Moi, j'appelle ça le bouclier chamanique aussi, comment l'harmoniser. Bien, j'appelle mes gardiens, mes quatre gardiens. Donc, j'appelle mon aigle à droite, qui est mon gardien de l'Est, qui est mon masculin. J'appelle au sud, c'est l'enfant. C'est le coyote qui est là, qui est relié au passé et aux blessures du passé. Et à gauche, c'est le gardien de l'Ouest. Pour moi, c'est l'ours, qui est le côté féminin. Puis en avant de nous, c'est le bison blanc, qui est le guerrier pacifique, qui connaît sa légende personnelle, puis qui avance vers la manifestation de son essence sur le plan de la matière. Alors ça, c'est nos quatre pôles qui devraient être bien alignés. Ça veut dire notre masculin, notre féminin, notre enfant derrière nous, puis notre adulte devant nous. Souvent, bien, dans notre société, ce qui est très répandu puis qui est facile à reconnaître, c'est que les pôles sont inversés, surtout le nord et le sud. Ça, c'est facile à voir. Quand le nord et le sud sont inversés, bien, ça veut dire que c'est votre petit coyote qui est relié au passé puis à vos blessures du passé qui guide vos pas. Et je pense qu'en tant que société, jusqu'à ici aujourd'hui, c'est beaucoup le coyote qui guide les pas en avant. Il va y avoir beaucoup d'approfondissement, en fait. Je sais que mon amour, c'est passionnel, mais il va y avoir beaucoup d'approfondissement par rapport aux enseignements de sagesse comme ça, dans tout ce qu'on va apporter à chaque semaine. C'est lié à ce que je suis en train de dire, qui va se placer dans les prochaines semaines, à tous les mercredis à 11h, les enseignements de sagesse du tambour. C'est un peu l'essence que je suis en train de transmettre là. Juste pour y aller avec l'inversion des pôles, terminer avec ça, parce que c'est très important de venir replacer nos pôles aux bonnes places. Donc, quand c'est notre coyote qui est en avant de nous, c'est sûr que nos pas sont guidés par nos peurs, nos doutes, nos regrets, nos sentiments de rejet liés au passé. On l'aime, notre coyote, mais on l'aime en arrière de nous, au sud, à sa place dans le bouclier. Alors, on le place derrière nous, puis on vient replacer notre bison blanc en avant, qui est notre adulte, qui connaît le chemin, qui a vécu tout le cycle au complet, qui a l'expérience, qui est capable de nous amener à ouvrir les portes. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir des portes puis d'avancer avec un bison blanc en avant qu'un coyote qui vient gratter dans la porte pour essayer qu'on ouvre la porte. Avancer avec le passé au lieu d'avancer avec la sagesse. C'est ça, avancer avec la sagesse, avec notre bison blanc en avant, plutôt que d'avancer avec nos peurs, nos craintes, nos doutes, comme on le fait. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer à travers le soin qu'on va faire ensemble, ça va être de venir replacer les pôles de nos énergies à bonne place. En tant qu'individu, on va venir replacer notre est à droite, notre sud, notre ouest et notre nord. Et ça va enclencher vraiment un processus individuel pour vous de revenir placer notre côté masculin et féminin à sa place, notre enfant à sa place, derrière nous, dans le passé. On l'aime, mais c'est un bagage qui nous suit. C'est pas un bagage qui doit guider nos pas. Et on va venir placer notre adulte en avant de nous à travers le processus que j'ai à vous partager. Avec entouré du beau tambour maître, on va vivre ça dans quelques instants. Ce ne sera pas bien long. Il y en a qui apprécient beaucoup tes enseignements. Merci d'être là. C'est de prendre le temps d'intégrer, en fait, dans la conscience, puis après ça, on va le faire vibrer dans nos corps avec le tambour. C'est ça. Là, on donne les explications, puis on s'en vient intégrer tout ça énergétiquement pour soi et pour nos frères et sœurs de la Terre aussi. Alors, ça, c'est un peu le début de la cérémonie du soin qu'on va faire ensemble. C'est qu'on va appeler, on va bientôt se lever, et on va se placer face aux directions. Quand je vais dire, OK, maintenant, vous allez vous placer face à l'est. Vous allez chacun chez vous vous placer face à l'est.
face donc au soleil levant. Et on va activer, on va appeler le gardien de l'Est à venir dans nos, à venir se placer dans nos énergies, à la droite de notre système énergétique. Et là, il y a un rythme, et après ça, on va faire la même chose pour le sud. On va se placer face au sud, on va appeler le gardien du sud. On va se placer face à l'ouest, on va appeler le gardien de l'ouest. Et on va se placer au nord pour appeler le gardien du nord, à venir se placer. Mais pour chacun de ces directions-là, il y a un rythme. Fait que je vais vous les partager tout de suite, les rythmes, parce que tantôt, on va les faire, puis je ne veux pas rentrer dans le, qu'on rentre dans le mental. Fait que le rythme de l'aigle, pour moi, le rythme du gardien de l'est, c'est tout simplement 1. Alors, tout ça ensemble, 1, et on va appeler l'aigle. Ensuite, ceux qui n'ont pas de tambour, ben, vous pouvez y aller de votre cœur, mais il y en a aussi, hein, que ceux qui ont, des gens qui n'ont pas de tambour et qui ne font que recevoir le soin, s'étendent sur leur divan, font une méditation puis reçoivent la fréquence énergétique qu'on est en train d'activer tout le monde ensemble et ça fait le travail. Il faut pas oublier que ben, le tambour, c'est le cœur. C'est la connexion du cœur, c'est l'extériorisation du cœur, le tambour, c'est l'extériorisation de qui on est. Alors, on va. Et le rythme du sud, maintenant, je suis rendu au rythme du sud. Le rythme du sud, c'est 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Le rythme de l'ouest, le rythme de l'ours, c'est 1. Ensuite, on va aller chercher à amener, élever les énergies de la Terre-Mère en notre cœur, se connecter avec la Terre, et ça, c'est le rythme du cœur. Ensuite, il reste le Père, l'énergie du Créateur, à appeler en notre cœur. Et là, nous, on se sert de nos hochets pour le faire. Si vous en avez préparé vos hochets, on va appeler l'énergie du ciel, l'énergie du Père avec les hochets. Sinon, ben, faites simplement recevoir l'énergie du Père qui va rentrer en vous au niveau du cœur. Puis, il reste la septième direction après ça à activer. Et c'est la direction la plus importante, c'est celle qui unifie toutes les directions, c'est la direction du cœur. Et c'est là qu'on va prendre le temps de créer une connexion avec notre soleil source, avec notre soleil central individualisé qu'on va connecter à notre cœur par l'intermédiaire d'un chant que je vais vous partager, qu'on va faire ensemble, qui est mon chant de reconnexion que je fais depuis plusieurs années, qui est un chant qu'on va chercher l'énergie du ciel, on va comme chercher l'énergie au soleil, dans notre source, on va la chercher, on va la chercher, on va la chercher, on la descend, on la descend, on la descend, puis on vient la connecter dans notre cœur. C'est un chant qu'on va répéter plusieurs fois pour comme créer un pont entre notre soleil source et notre cœur. Ouais, donc, Sylvie, ceux qui n'ont pas de tambour, c'est une bonne idée de tapoter ici au niveau du thymus, au niveau du cœur. Tu vas pas faire le chant avant? On va le faire là-bas, le chant. Ouais. Fait que ça, c'est l'ancrage de notre soin qu'on va faire. Okay? On va partir de ça. Et après ça, le soin reset va pouvoir commencer. Je veux juste vous partager notre vision par rapport à ça. On est 400 personnes en ce moment. 400 personnes sur le live en ce moment. Il faut savoir qu'au niveau quantique, on n'est pas 400 personnes, on est 8 milliards de personnes. Ouais. En ce moment, en live. On n'est pas 400, on est 8 milliards de personnes. Comprenez-vous l'importance d'être au rendez-vous ce matin, aujourd'hui? On est ici en tant que catalyseur. Aujourd'hui, c'est la fête de la Terre. Puis moi, je pense sincèrement, j'ai envie qu'on offre ensemble un cadeau à la Terre-Mère. Une impulse d'élévation de conscience pour la Terre. Et à 400 personnes, on est capable de rejoindre 8 milliards de personnes. En étant bien centré dans nos quatre directions, bien connecté au ciel et à la terre, mais bien connecté en notre cœur, à notre soleil source, et à partir de cette émanation pure de notre essence. En étant connecté à partir de cette connexion-là, rendu là, dans le soin, on va prendre le temps de se connecter à tous nos frères et sœurs de la terre, à vivre l'unité, à vivre la vibration qui unifie tous les cœurs de nos frères et sœurs de la Terre pour une meilleure humanité. Ouais. Une fois qu'on va tout sentir, les 400 personnes qui sont en live, à sentir cette interconnexion qui nous relie tous, les êtres humains de cette Terre, on va aller ancrer ça jusqu'au cœur de Mère Gaïa. On va aller ancrer ça au cœur de Mère Gaïa. Une fois que cette connexion-là
de 8 milliards d'êtres humains sur Terre va être connecté au cœur de la Terre. C'est là qu'on va activer la première partie du soin Reset, qui est la libération des anciens programmes. La libération de tout ce qui n'a plus besoin d'être. Dans la première partie du soin, ça va se faire au rythme du cœur de la Terre, tout simplement, avec le tambourin. Le genre qui explique tout, là, mais on va vous guider, OK? Même si vous n'avez pas, vous venez d'arriver, écoutez, ouais. Puis même si vous n'avez pas fait les 21 soins, c'est pas grave. Ouais. Soyez juste présents, soyez là. On va tout guider à mesure, de toute façon. On va tout guider, donc faites-vous confiance, vous pouvez recevoir. C'est pas un prérequis d'avoir fait tous les soins avant. On est ici, là, en ce moment, on a besoin de vous. Chaque conscience, chaque regard fait une différence. Chaque donc, battement de tambour. Juste à être guidé, tout est parfait. Chaque battement de tambour va faire la différence pour ce qu'on est en train d'enclencher. Donc, pendant cet espace-là de libération, chacun va pouvoir nommer, je vous invite vraiment à nommer à haute voix, tous les anciens programmes qui sont plus nécessaires dans votre vie, puis pour le... dans votre perception de l'humanité dans l'ensemble. Ensuite de ça, on va activer l'année et moi, le cœur du soin, ensemble. Nous, on va activer parce que vous allez voir le changement de rythme s'activer. À ce moment-là, on va laisser cette nouvelle semence dans une énergie neutre, pure, de l'esprit de neutralité équilibrée du point zéro. Ça veut dire un espace de vide complet, puisque là, on va venir ancrer notre vision parfaite de cette nouvelle humanité. En notre cœur, on va, et la troisième partie du soin, bien, on laisse s'expandre cette vision globale-là de 400 personnes, en fait de 8 milliards de personnes connectées à leur essence, qui va être retransmis à toute la Terre dans la deuxième partie, la dernière partie du soin. Parce que le concept de l'unité, c'est pas juste un concept. Pour moi, il y a quelque chose d'encore plus intégré dans le fait que lorsque je change quelque chose à l'intérieur de moi, le moi, je le change dans chaque individu incarné ici sur Terre. Donc, voilà ma vision, voilà ma croyance. Vous en faites comme vous voulez, mais ces 8 milliards de personnes sur Terre peuvent vivre réellement un impact par ce processus-là que l'on vit en ce moment. Ouais. La dernière partie du soin va se vivre, comme j'ai dit, on expand l'énergie, on laisse se répandre par notre pouvoir de créateur connecté à toute la Terre pour ce nouveau reset, ce nouveau départ. Du nouveau système, on reset le système, on redémarre le système. Et pour redémarrer le système, concrètement, en tout cas pour nous, on va le faire. Fait que si nous on le fait, vous le faites aussi. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais on va tourner, on va repartir, pour réactiver le système, on va tourner autour de la roue. On va tourner autour du tambour maître qui est avec nous ici. Et on va tourner, quand on tourne dans le sens du horaire, de l'énergie, de la roue, on vient réactiver l'énergie, les vents. On s'harmonise avec les vents de la création. On arrête d'aller à contre-sens, à contre-vent, et on s'harmonise avec les vents de la Terre et avec le courant énergétique et tellurique de la Terre. Et c'est comme ça qu'on va finir le soin. C'est pas mal ça. Merci de votre présence. Donc, êtes-vous prêt à activer le vent de changement? Êtes-vous prêt à prendre votre pouvoir créateur en ce moment même, avec votre regard, avec votre présence, avec vos tambours, avec vos djembés, avec vos bols de cristal, avec les bols tibétains, peu importe avec ce qui est là. Avec vos cœurs, avec... Vraiment, de simplement activer tous ensemble, on libère. On revient au point zéro et on fait le reset pour la planète. Yes! Alors, je pense que tout le monde est prêt. Ouais. Le grand moment arrive. Alors, à vos tambours, à vos hochets, à vos cœurs surtout. Okay? Dans la plus grande simplicité. Là, je vais aller reconnecter le micro. Donc, vous allez pouvoir monter le son parce que quand on joue le tambour, pour que ça ne distorsionne pas dans le micro, on connecte... Alors, vous pouvez monter le son parce que le son n'est plus à la même tonalité. Oui, pendant ce temps-là, ben, vous pouvez envoyer des cœurs. Place à l'ouest, ma chérie. Non, chérie, le micro, t'as plus de micro. C'est moi qui l'ai ici. Ah, OK. C'est ça. Une récréation de Julie pour cet événement.
Alors, c'est une création qu'on a reçue hier soir, qui a été créée par une artiste qui travaille avec nous, qui a créé Julie, Julie Marcoux, qui doit être là avec nous. Allô? Alors, juste voir que le chant est bien. Reste à ta place, s'il te plaît. Ah, non. Regarde dans ton téléphone. Alors, on va prendre le temps, premièrement, bien, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, on est autour du tambourmètre. Le tambourmètre, c'est un tambour de bison de 6 pieds de circonférence qu'on a eu l'honneur de... C'est notre première création, Alani et moi, ensemble. C'est notre premier tambour qu'on a co-créé ensemble. Alors, c'est notre, on le sent pas souvent, on s'en sert pas nécessairement souvent, mais c'est que dans les grandes occasions, il nous sert de portail énergétique. Et d'habitude, on le tient debout. Quand on le met à terre, c'est du sérieux. Donc, c'est un merveilleux portail d'énergie, d'amour. Son travail est vraiment là pour l'humanité. Alors, je vous invite à prendre le temps de vous déposer et de vous centrer. Je vous invite même à prendre 3 grandes respirations très profondes afin de déloger toute tension du corps qui ne sont pas nécessaires à vos énergies. J'invite à inspirer et à expirer en votre cœur pour bien ressentir la vie qui vibre en vous, pour bien entrer en contact avec votre tambour intérieur. Et c'est à partir de cette vibration du cœur, cette vibration de votre tambour intérieur, que je vous invite à vous tourner vers l'Est, et on va appeler le gardien de l'Est, vers le soleil levant. Alors, on est bien déposé, bien connecté en notre cœur. Et c'est à partir de cette connexion du cœur qu'on va inviter le gardien de l'Est, qui est l'aigle, qui est bien au sommet de sa montagne, bien niché. Et on va l'appeler à nous, en place à la droite de notre bouclier chamanique, et à l'est de notre cérémonie. On va l'appeler avec son rythme, le rythme 1. Et quand je vais jouer le hochet, on arrête tout simplement de jouer. Alors, on appelle l'aigle avec son rythme. Merci l'aigle, on l'accueille dans nos énergies, on l'accueille dans notre cérémonie. On se tourne vers le sud, on va inviter le gardien du sud, maintenant qui est le coyote, à se joindre à nos énergies, à venir se positionner derrière nous dans notre bouclier chamanique et au sud de notre cérémonie. Le coyote est en train de s'amuser dans un petit ruisseau dans sa forêt et on va l'appeler à nous avec son rythme 1-1-2. Le coyote, prends le temps de l'accueillir, de le ressentir au sud de notre bouclier chamanique derrière nous. Miigwech.
On se tourne vers l'ouest. On va appeler le gardien de l'ouest, qui est l'ours. L'ours, bien, il est en train de faire sa sieste dans sa tanière. Alors, c'est le gardien de l'ouest, donc on a besoin de lui pour notre cérémonie, pour notre bouclier chamanique. On va la réveiller parce que c'est la maman ours, c'est l'énergie féminine. Et on va l'inviter à notre cérémonie, à notre cercle, à venir se placer à gauche de notre système énergétique. Et le rythme de l'ours, c'est 1, 1, 2, 1, 2, 3. Accueille l'ours. On remercie la mère ours d'être à la gauche de notre système énergétique dans notre bouclier chamanique et d'être à gardien de l'ouest de notre cérémonie. Miigwech. On se tourne vers le nord. On va appeler gardien du nord, qui est bison blanc, à se joindre à nos énergies, à venir prendre place devant nous, au nord de notre bouclier chamanique, de notre système énergétique et au nord de notre cérémonie. Alors, Bison Blanc est dans ses plaines, alors on va l'appeler à se diriger vers nous, à notre cérémonie, avec le rythme de Bison Blanc, qui est 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Merci de sa présence comme gardien du Nord de notre cérémonie. Et on l'accueille devant nous, dans nos énergies, notre adulte qui nous ouvre la voie. Miigwech. Alors, il reste maintenant que nos quatre directions sont appelées. Amène ton tambour ici, chérie. On va ancrer, aller chercher les énergies de la terre, les énergies de la mer, à se connecter en notre cœur et au cœur de notre cérémonie, avec le rythme du cœur de la terre. On la remercie de sa présence. Miigwech. On va maintenant prendre nos hochets pour appeler l'énergie du ciel, les énergies du Père. Alors, je l'invite à prendre le temps d'inviter les énergies du Créateur, de votre soleil, de votre source, peu importe l'image ou qui est pour vous, mais d'inviter le Créateur à se connecter en votre cœur et au cœur de notre cérémonie.
temps de remercier le Créateur, l'accueillir dans nos énergies et au cœur de notre cérémonie. Alors, il reste la dernière direction à connecter, qui est la connexion la plus importante qui unifie toutes les directions, c'est celle de notre cœur. Parce que c'est à partir de cette connexion du cœur conscient que l'on va créer ensemble ce nouveau reset au point zéro, cette réactivation d'un nouveau système pour nos frères et sœurs de la Terre, pour soi-même. Alors, c'est un chant de reconnexion que je vais vous partager. Je vous invite à chanter avec moi, avec nous. Et puis, de prendre le temps d'aller durant ce chant. On va chercher notre connexion à notre source individualisée, au cœur de notre soleil, au cœur de notre source. Puis on la descend, on la descend, on la descend, on la descend, on la vient la connecter à notre cœur. C'est comme, c'est tout au cours de ce chant. On construit notre soleil. On va chercher notre soleil source et on l'amène jusque sur le plan de la matière pour qu'on puisse émaner et co-créer ensemble, créer notre réalité consciente de ce nouveau monde unifié à partir des cœurs. Alors, je vous invite à faire ce chant avec moi et avec nous. C'est un chant de reconnexion. Donc, le rythme est simple, c'est un rythme unifié de 1. Hey.
J'invite à accueillir le soleil que vous êtes. À ressentir ce soleil source que vous émanez, que 8 milliards d'êtres humains sur Terre émanent. 8 milliards de créateurs conscients, connectés à leur source. Pour une meilleure humanité. Inspirez et expirez profondément pour bien ressentir cette connexion intime avec tous vos frères et sœurs de la Terre. C'est à partir de cette connexion consciente que je vous invite à vous connecter maintenant au cœur de la Terre. J'invite à prendre le temps de vous connecter au cœur de la Terre. À partir de ce soleil source que vous êtes. À partir des 8 milliards de soleils sources que nous sommes, on va se connecter à Gaïa, à cet esprit vivant, à notre mère qui nous supporte, qui nous nourrit, qui nous apporte tout ce dont on a besoin. Notre taux vibratoire est à un autre niveau maintenant. Et c'est à partir de ce niveau vibratoire que nous allons rester connectés au cœur de Gaïa et que dans la première partie du soin Reset, on va libérer toute l'énergie du passé en la remerciant, en l'acceptant, en l'accueillant pour l'enseignement sacré qu'elle nous a offert, là où cette énergie du passé nous a amenés dans l'ici et maintenant. Mais on va la libérer, on va libérer tous les programmes qui ne sont plus nécessaires. On est 400 à 8 milliards de personnes qui allons libérer tous les programmes de l'humanité qui ne sont plus nécessaires à ce nouveau monde, à cette meilleure humanité. Alors, je vous invite à rester connecté à votre cœur. Par amour pour vous, pour la Terre et pour l'humanité. On va y aller avec... se connecter au rythme du cœur de la Terre. Mais au milieu seulement. Là, on va faire la première partie. Alors, première partie du soin Reset, au rythme du cœur de la Terre, pour bien s'harmoniser avec elle. On libère tous les programmes. Je vous invite à les libérer à haute voix. À faire ce processus-là, à haute voix. Alors, on est bien connecté à notre soleil source. On émane nos 8 milliards de soleils conscients, connectés à l'amour de notre être supérieur, à notre Créateur et au rythme du cœur de la Terre. On libère tout ce qui est ancien programme.
à libérer tous les anciens programmes de la Terre, de nos frères et sœurs qui sont plus nécessaires.
accueillir cet espace de vide, de vacuité pure en nos cœurs. De prendre le temps de l'accueillir, de prendre le temps de le ressentir. C'est l'énergie du Nord. On la remercie, on l'accueille. J'invite à inspirer, à expirer profondément pour bien l'ancrer dans vos énergies. Espace béni. Cet espace du point zéro, d'où à partir d'ici, tout est possible. C'est toujours connecté au soleil resplendissant, créateur, source que vous êtes. Nous sommes 8 milliards de soleils émanants. Tous connectés à notre source. C'est à partir de cette essence pure et vide que je vous invite à recevoir cette nouvelle semence de création en votre cœur. Accueillez-la. C'est une semence de co-création consciente pour une nouvelle humanité. Cette nouvelle semence est remplie d'un pur potentiel illimité de co-créer tous ensemble un monde meilleur. Alors, je vous invite à vous visualiser dans votre soleil et on va maintenant activer le cœur du soin pour bien ancrer cette semence. C'est bon. Pour bien ancrer cette semence dans nos énergies. Ouais. C'est l'activation, puis après ça, c'est. On n'a pas nommé l'hibernation. Alors, on prend le temps d'inspirer et d'expirer pour bien nourrir cette semence en notre cœur. On va maintenant l'ancrer, cette semence du nouveau monde, de notre nouvelle réalité, co-créée en conscience à partir de notre source. On vient l'ancrer au cœur de la Terre. Pour la...
Alors maintenant que l'intention est bien ancrée, on va la laisser s'expandre sur toute la terre, dans le cœur de tous nos frères et sœurs. Et on va tourner autour du tambour maintenant pour bien activer l'énergie de ce nouveau départ, de ce nouveau reset, pour bien harmoniser les vents de cette nouvelle terre pour une meilleure humanité. Alors, je vous invite à laisser s'expandre dans toutes les directions cette semence qui est en votre cœur.
Donc, je propose de continuer dans l'énergie puis de ressentir les vagues de la terre-mère. Je vous invite à rester en contact avec ce Créateur conscient de ce nouveau monde en votre cœur. Inspirez et expirez profondément. Pour bien ancrer dans votre corps physique. Ce soleil source que vous êtes. On va rester dans cette énergie-là d'amour, de gratitude. Et pour terminer le soin, j'aimerais offrir un chant à la Terre. C'est le chant Miigwech. Vous allez pouvoir nous accompagner, on va le faire plusieurs fois. Alors, c'est un chant de gratitude qui m'a été transmis par une grand-mère algonquienne. C'est un chant rempli d'amour, de gratitude pour notre terre-mère. Alors, vous pouvez faire des cœurs, ceux qui n'ont pas de tambour, ou allez chercher votre tambour. C'est un chant qui se fait au tambour aussi. Gratitude de votre présence. Je sens toute votre présence, ça fait tellement bien de vibrer cette unité. Alors, amour, gratitude. Un chant qui peut faire pour notre mère en terre. Oui, vous pouvez le faire avec nous. Chantez avec nous. Je vais le faire une fois. C'est un chant que beaucoup de gens connaissent ou que intuitivement on le connaît. Il est à l'intérieur de nous, ce chant-là. Fait que beaucoup de gens vont le chanter là, au deuxième couplet. Miigwe chakikwe, tes enfants te remercient. Miigwe, Miigwe, Miigwe. Hey.
Remercier tous les alliés qui étaient avec nous aujourd'hui. L'aigle à l'est, le coyote au sud, l'ours à l'ouest et le bison blanc au nord. Remercie le Créateur de cette guidance, de cette inspiration. On remercie la Terre. On remercie 8 milliards d'êtres humains sur Terre, 8 milliards de cœurs connectés à leur essence véritable. On remercie nos ancêtres. On remercie l'esprit du tambour de nous avoir réunis aujourd'hui. Je vous invite à rester habité de cet amour, de cette gratitude, de ce pouvoir créateur conscient qui vous habite. Qui nous habite tous. Puis je le souhaite de tout mon cœur. Je pense qu'on le souhaite de tout notre cœur. Une meilleure humanité pour la Terre et pour tous nos frères et sœurs. Ok,
Gratitude, je suis remplie d'amour, mes cellules vibrent, je ne sais pas ce que vous vivez pour vous en ce moment, partagez-moi ce que vous vivez, j'aime ça vous lire, j'aime ça vous entendre, j'aime la relation dans ce groupe, dans ce moment, cet instant présent qui de voir des tambours maîtres. Ça, on a joué au tambour maître aujourd'hui, puis en jouant tantôt, c'est éveillons les maîtres que nous sommes afin de créer le monde que nous voulons, basé sur les valeurs que nous voulons, dans l'amour, dans la conscience que c'est cette transformation-là qui se crée en chacun de nous, en respectant le processus, comme un arbre qui pousse. Comme un arbre qui grandit, qui devient grand et fort. Que ce soit une semence qui soit plantée en ce moment, en chacun des cœurs, en chaque personne qui voit cette vidéo et qui ne la voit pas aussi. Parce qu'en fait, ce concept d'unité fait que tout ce qui se passe à l'extérieur est là, à l'intérieur de moi. Donc, si j'en prends responsabilité, j'ai le pouvoir de changer. J'ai le pouvoir de créer. J'ai le pouvoir de créer exactement ce que je veux. Je souhaite que par ces intentions-là, cette réunion-là, tous ensemble, on fasse simplement que vous vibrez dans votre cœur, que cette journée qui continue aujourd'hui soit, il y a tous les jours en fait, une célébration aussi d'amour pour la Terre. Très émue de ça. Très émue de cette cérémonie. Habituellement, on termine une cérémonie en libérant l'énergie. Aujourd'hui, chacun de vous est une parcelle de cette cérémonie. Et comment qu'on va libérer l'énergie? C'est en vous libérant vous-même. C'est en libérant le créateur que vous êtes. C'est en co-créant ensemble. C'est en allant répandre cette fréquence-là qui vous habite à l'extérieur de vous. C'est comme ça qu'on va libérer l'énergie de notre soin de cette cérémonie aujourd'hui. Je suis très touchée. Je veux dire merci à toutes les personnes qui sont nouvelles, à toutes les personnes qui nous ont suivies tout le long de ce processus. Merci à vous, à votre âme. Remerciez-vous vous-même aussi de vous avoir permis de vivre ça. Je suis de plus en plus à vivre l'expérience de l'unité grâce aussi à vous. Grâce aussi à vous dans ce processus-là des 21 jours. Puis grâce à vous qui êtes là aujourd'hui, en fait. Puis, tu sais, si j'y vais de mon expérience, pour moi, qu'est-ce qui est plus puissant quand je joue du tambour, c'est quand j'arrête de jouer du tambour. T'sais? Je pense que ça va être la même chose pour qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Mm-hmm. Avec la pause qui nous est offerte en ce moment, le confinement, oui, il y a beaucoup d'éveils qui se passent, il y a des gens qui se reconnectent, qui rentrent à l'intérieur d'eux, il y a un beau processus qui se fait, mais attendez le retour de ce confinement-là. Quand les gens vont retourner, quand on va retourner à nos... On va essayer de retourner à nos anciens patterns, puis ça ne marchera plus, ils ne seront plus là, ça ne résonnera plus avec l'essence qui s'est réveillée pendant l'espace de confinement, pendant qu'on était au nord. C'est inévitable que le retour à l'Est pour notre humanité ne sera pas le même que ce qu'il y avait avant. Puis c'est là que ça va, je pense que ça va être le plus palpable, c'est quand on va revenir, quand les gens vont revenir dans leur quotidien, puis dans ce qu'ils connaissent, puis ils vont voir que ça ne résonne plus, puis c'est là que les vraies prises de conscience vont se faire concrètement, puis c'est là que les vrais changements dans le plan matière vont se faire. C'est mon expérience. Puis pour tout ça, ben c'est accueil, tu sais, l'accueil, l'amour, l'écoute. Offrez-vous le meilleur, parce que vous méritez le meilleur. Parce que Gaïa vous aime, puis on l'aime aussi. Tu sais, c'est ça qui est là. Alors, peut-être dire... Beaucoup de partages sont encore merci, là. Ouais. Merci beaucoup. On va prendre le temps de toutes les ça. Ça se peut qu'on n'ait pas le temps de répondre. Des fois, on fait juste un petit cœur, mais ça, on vous lit. Puis, ben c'est sûr que c'était un moment mémorable pour nous ici. Merci, de vivre ça dans notre maison, dans notre centre ici, c'est... Merci, je veux dire merci pour l'homme que tu es. Merci pour ces belles enseignements de sagesse qui permettent de s'affranchir, puis qui permettent d'être de plus en plus connecté avec la Terre, puis connecté avec la Terre qui est notre cœur aussi, qui est à l'intérieur de nous. Donc,
je vais te reconnaître pour ça. Je vais te reconnaître. Alors, grande femme ici avec moi, grande déesse, mon amour, l'ami, qui est une femme dévouée pour l'humanité, dans son cœur, dans son âme, dans ses tripes, dans son corps. Alors, on vient de vivre 21 jours de constance à 11 heures à tous les jours, d'être là avec vous. Pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont commencé aujourd'hui, c'est parfait aussi. C'était un cadeau de s'offrir ces 21 jours de soins-là. On les a reçus en premier, on les a partagés. C'est toute une transformation. Maintenant, je pense qu'on doit laisser le temps à ces nouvelles énergies-là de prendre place dans notre système nerveux, dans notre système énergétique. C'est toute une intégration. On va prendre les prochains jours pour nous. Merci aussi d'être constant, de partager le post aussi aujourd'hui. Chaque partage est un petit coup de pouce qui va faire une différence. Plus de gens vont voir le processus. Aussi, je veux dire que si vous venez d'arriver et vous avez le goût de vivre les 21 soins, tout est transmis sur notre chaîne YouTube. Puis sur la page Facebook aussi, c'est là. Ouais. C'est dur à déterminer, j'ai comme pas le goût de vous lâcher, mais en fait, on ne vous lâche pas. Comme on l'a dit au début, on va le répéter, en fait, il y a un processus d'enseignement de sagesse qu'on va faire des capsules vidéo à chaque mercredi, à chaque semaine, en fait, pour un temps de... indéterminé, j'ai au moins 8 capsules à faire. Pour continuer à nourrir cet agrégat-là, ce mouvement-là, pour continuer à nourrir la tribu, pour que vous puissiez vous aussi faire des liens entre vous. Donc, ça va être là. Puis, on prévoit aussi, en fait, pour le solstice du printemps. Non. Le 20 juin, solstice d'été. Le 20 juin, solstice d'été, on prévoit un rassemblement ici à Sainte-Adèle. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous prendre dans mes bras. Oui. On va créer, en fait, un autre événement pour vibrer les cœurs tous ensemble. Ouais. Puis, on a hâte de vous voir, on a hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de vous lire. C'est ça. Je veux vous dire qu'il y a une partie. Ça me touche. Moi, je suis émotive, hein. C'est pas parce que. On a pas vu ça. Il y a une partie de vous qui habite en. Il y a une partie de vous, de chacun de vous, de chaque être sur Terre qui habite en moi. De ce fait, chaque chose que je fais pour moi a un impact sur chacun de vous. Donc, comme être créateur, je prends la responsabilité de prendre soin de moi, de m'élever en conscience et de le faire rayonner alentour de moi. Sur ce, je vous aime de tout cœur. On a hâte de vous revoir. Puis, on va terminer. Il n'y a pas de façon de terminer. Juste de l'amour, des cœurs, gratitude. Émaner comme Lani vient de l'expliquer, ce qu'elle vit en elle. On a toute cette capacité de le vivre pour soi. Donc, chacun d'entre nous, on est des piliers importants, un canal important de connexion terre-ciel et de transmission pour cette nouvelle humanité. Gardez ça. Donc, la fin de 21 soins reset accomplis pour la planète. Donc, c'est la fin des soins, mais c'est le début de quelque chose de grand en chacun de vous. Amour. Au. Au.